Oui, j'avais réaugmenté la musique, mais on va peut-être pas la garder à ce niveau. Ça fait un bout de temps en plus que je l'avais un peu augmenté. Je l'avais augmenté quand on était sous l'océan. C'est l'océan. Sous l'océan. Oh, c'est un territoire de glace. Bah, ça y a un plus ici. Ouais, en plus, on n'avait jamais été. Enfin, c'est. C'est de C'est l'argent! même étonnant que j'aille fly, en fait. Je Plaisir me d'avoir souviens pu pas vous aider! d'ici. Me souviens pas du tout. Alors, attendez. Ah, bon. Alors, nous allons utiliser une stratégie. Parce que, apparemment, il faut que j'aille en contrebas. Sauf qu'il y a une seconde cascade. Ouais, mais là, ça doit être jouable. Alors, c'est jouable ennemi, en fait. Oh! Eh merde! Non, mais en fait, tu tombais bien, toi. J'ai un coffre là. Il est où? Et une ressource de guerre. Bon, mon objectif, il est plus par là. Juste contourner l'ours. Bon. Des elfes du vide? Ah oui, c'est des elfes. D'accord, c'est des elfes de la nuit, apparemment. Là, je sais pas, c'est bizarre.
F du vide, j'ai jamais vu. Ah, on l'a passé, c'est là. La traque commence. Bonne chasse. Alors, le domaine de Nordwington abrite les armes d'Azérite les plus récentes de l'Alliance ainsi qu'une importante cache de ce minerai. Nous sommes ici pour faire ma basse sur le tout. Chaque arme volée épargnera une vie de la Horde. Faites-moi savoir quand vous serez prêt à frapper et j'ordonnerai à nos guerriers de donner l'assaut. L'Alliance et Kul'Tiras vont découvrir toute l'étendue de la puissance de la Horde. Ordonner à l'armée de la Horde d'attaquer le manoir Norwington, pardon. Que la chasse commence par la griffe et le croc. Bah, go. Pour la Horde. On va suivre. Je sais pas ce que ça veut dire l'octar en orque. Je connais deux trois traductions des elfes de sang. Faut que je fasse quoi? Attendez, je crois que j'ai fait le con. Oh bah d'accord, bah venez, pas de soucis les gars. Il y en aura pour tout le monde. Un petit peu de lin, ça. Apparemment, fallait que je reparle à Rexar. Donc, je remonte. Oh, 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 oh. Je l'ai vu. Mais je sais pas où il est. Où le bout? Où le bout? 24 de plus. Eh ben... Alors, oui et non, parce qu'apparemment, il a bougé. Il a bougé en contrebas. Une chute mitigée. Ouais. J'ai un boss. Je me fais le boss, hein. Bon, peut-être qu'avec mon marcheur, ce serait aussi plus. Mais non! Mais c'est quoi ce tarmac? C'est quoi ce tarnac? C'est quoi cette attaque de merde? Oh, l'attaque de merde. Ouais, bah j'aurais dû utiliser mon marcheur.
Fais chier. En plus, je serai à para perpète. Bon. Pourquoi cet appel? Alors, t'es sympa, tu reviens. Au pied. Puis on va... Voilà, on va éviter de... ce mob aussi parce que il m'embête plus qu'autre chose. Oh purée, mais vous faire voir. C'est bon. Voilà, bon, tout ça pour 48 points d'azérite, hein, c'est pas grave. C'est pour l'azérite, hein, les boss, hein, de toute façon, c'est que pour ça. Bon, on retourne sur la quête, peut-être. Ce sera plus intéressant. Par la griffe et le croc. Ok, alors. Affaiblissez les défenseurs du domaine. Okay. Non, bah, ok, d'accord, c'est une quête pour le moins relativement simple. Faut que je bute un max de mobs. Allez, hop. Ouf. Ok, d'accord, puis il y a ce genre de... Et je viens de voir... Attendez, hop. Cet endroit est mon seul foyer. Récupérer 4 bombes rides. Bon, allez, hop. On va essayer de faire ça au fur et à mesure en même temps. Non, plus ça va être là. Bon, on va se focus un petit peu là-dessus. C'est tough ça. Ok. Ah,
n'ai pas de cible. Rexar, le chien de la Horde qui a assassiné Daelin Port-Vaillant. Mes troupes vont te massacrer. Des menaces, des menaces. Mais tu te caches derrière ton char. Fais au moins preuve d'honneur. Oh, je le connais bien, ton honneur. Je préfère me battre selon mes termes. Tu ne tiendras pas une minute quand ce char sera chargé à pleine puissance. Bon, alors faut se taper le char en question, c'est ça ? De retarder ton inévitable défaite en regardant tes soldats se faire décimer. Il me faut aussi. Je suis trop loin. Bon, ok. Ok, là il y a encore un fusil. Là il y a une bombe. Et là-bas il y a encore un fusil. Et comme ça au moins j'ai accompli une des deux quêtes. Je dois m'approcher. Voilà. Ça au moins c'est fait. Et je sens que ça va se passer donc dans ces alentours là. Et où vous allez? J'aiderai la Horde, tout comme elle m'a aidé. Ok. En tout cas, je suis plein de lin et ça c'est plutôt cool. Je n'ai pas de cible. Mais ok, à mon avis, quand on va atteindre les 100%, après le char va être chargé et puis. Ça repop sur ma tronche. Bon, je pense que... Allez, prends la quête. Il y a combien d'héritages de 650? Ok. Pas bien vu, le truc de famille lieutenant. Je suis prêt à affronter. Oh! N'importe quel Kul Tirassien donnerait sa vie allègrement si c'était pour venger la mort de Daelin. Ok.
Et c'est là que je regrette de ne pas avoir mon mode guerre d'activé. Parce qu'il faut savoir que là, tout ça, je le fais sans le mode de guerre. Et le mode guerre, en fait, me donne des talents supplémentaires. Qui me... Enfin, qui me donne des pouvoirs un peu plus... Un peu plus basse. Notamment, par exemple, mes sortes de corruption et d'agonie sont maintenues tant que j'utilise Rindy. Ce qui me permet, en fait, d'économiser énormément en mana et d'augmenter ma quantité de dégâts. Alors, pareil, j'ai utilisé mon deuxième démon tant que j'y suis. C'est bon. Ah d'accord. Ça c'était que le char. Et il reste le lieutenant. Non mais oh. Ça va aller, oui. Eux viendront vous régler votre compte à tous. Je suis à l'affût. Allez au manoir. La victoire nous est acquise, mais nous devons encore récupérer l'Azérite restante du domaine. Le temps presse. Nos troupes devraient déjà être en train d'évacuer le minerai du manoir à bord de nos gyrocoptères. Allons nous assurer de ne pas en laisser un gramme à l'alliance. Soit. C'est là-haut, c'est ça? Ok. Ok, et donc là... Vous avez une proie traquée, il en va ainsi. Ok, je crois que là ça va chier là. Ma proie est proche. Montez à bord du gyrocoptère gobelin et repoussez l'armée de l'Alliance. Oh le beau. Oh le beau. Pas vraiment eu beaucoup de... Nous avons l'Azérite. Les troupes de l'Alliance sont affaiblies et nos guerriers battent en retraite. Retournez à la Sylve du Vent d'Ouest. Victoire! Allez, hein. Alors, attendez, j'ai un souci là, je peux pas cliquer. Pourquoi je peux pas cliquer? Que la chasse commence. J'ai la fenêtre qui a bugué, attendez. Je m'éloigne, je reviens. Et au besoin, je ferai un slash reload. Par la griffe et le croc. C'est quoi? C'est le... Bonne chasse.
Ah non, mais je... J'ai toute mon interface qui a bugué. Attendez, je reviens. Je relance le jeu. Un instant. Bon, on est de retour. J'ai fait une petite pause avant de reprendre. Il me reste... Ah oui, il me reste pas beaucoup de temps de tournage en vrai. J'entends l'appel de aujourd'hui. La nature. Que la chasse commence. Retournez voir Nanos. D'accord. Que la chasse commence. Bah, en fait, vous avez fait du bon travail, Zelling. Au plaisir de vous revoir. Avez-vous des nouvelles de ma famille? Comment va-t-elle? Est-ce vraiment sage de ressasser votre passé? Vous tenez vraiment à savoir? Oui, j'en ai besoin. Votre famille se porte bien. Votre femme a acheté une petite maison à la Ferté d'Arom, en Trustvar. Je... Et vos enfants... Je m'en réjouis, mais... Comment est-ce possible? Nous étions ruinés avant ma mort. Enfin, avant ma transformation. Vous avez demandé à Liliane Voss qu'on s'occupe d'eux. Elle y a veillé. Dame Voss, il faudra que je la remercie. Et merci à vous, Rexar, d'avoir répondu à ma question. Je suis soulagé de savoir qu'ils vont bien. Ce n'est rien. Prenez soin de vous, Zelling. Et n'oubliez pas que vous êtes en territoire ennemi désormais. Ouais. Bah après, il n'y a aucune garantie de que ce qu'il dit soit vrai, mais bon, on va partir du principe que ce soit vrai. Bon. Bah écoutez, ben c'était cool. On a... Voilà, on a accompli notre mission, donc... voilà, on va essayer de rejoindre le fly le plus proche. Apparemment, il faut que je suive cette route dans l'autre sens. Et je guette la minimap, voir si... Ouais, d'ailleurs, on va... Hop. Voilà, j'élargis un petit peu ma minimap. Voir s'il n'y a pas des coffres dans le coin. Mais le truc, c'est qu'ils approchent... Enfin, ils apparaissent que quand on est vraiment proche. Ils apparaissent pas comme ça... je vais essayer par la gauche. Si, c'est ça. Ok, et le fly, il est là. Parlez-moi. Et donc, on... plaisir d'avoir pu vous aider. Qu'on soit d'accord, hein. Ah oui, en fait, peu importe, faut juste que je retourne à Zandalar, en fait. Ok, d'accord. Yo, bon, on va passer par là. On va passer par là.
Encore une fois, l'identité sonore de World of Warcraft, ça reste quand même quelque chose. Zuldalar. Que la volonté du chef de guerre soit faite. J'ai entendu parler de votre victoire. Très bien. L'alliance ne se remettra pas de cette défaite. L'Azérite sera préparée pour notre prochaine bataille. La Dame Noire nous fait confiance pour que vous continuiez à apporter votre aide quand le temps viendra. Eh ben, malheureusement, je pense qu'on va juste regarder, mais je vais... Je vais m'arrêter là, pour cette session de tournage. C'est l'histoire d'un mecha. Galiwix croit pouvoir en finir avec l'alliance grâce à l'Azérite que vous avez arrachée à nos ennemis. Il me demande votre aide. Allez le retrouver au Filion Baifon et faites de votre mieux pour l'aider tant que ses agissements restent dans l'intérêt de la Horde et assurez-vous qu'il reste en vie. L'Alliance a déjà essayé de le tuer. Je sais pas où c'est le Filion Baifon. Pour la Dame Noire. C'est là? Bah écoutez, nous irons voir ça lors de la prochaine session de tournage. Je sais pas quand est-ce que ça sera. Peut-être d'ici quelques jours pour moi. Voilà, normalement. Ouais, je pense que ce sera d'ici quelques jours. Mais j'ai l'impression que plus je progresse. Plus il y a de soldats à nous ici en fait. Par exemple, toute cette partie là, je crois qu'elle y était pas avant mon début de tournage là. Ah lol. T'as l'air fin toi. Ah bah oui, t'as l'air fin toi. Ah dommage que je sois pas en mode guerre. Parce que je t'aurais défoncé. Ouais, je t'aurais défoncé. Ah, dommage. Bon, bah allez, sur ce, je vous dis à tout de suite si on est au plein milieu d'un épisode, soit ben à la prochaine session de tournage dans tous les cas. Allez. Ah, déjà. Bonjour à tous. Alors, nouvelle session de tournage pour moi. Je sais qu'on est au cours de...
J'ai juste fait le trajet ensemble. Quelques jours se sont écoulés quand même depuis la dernière coupure. Léger bilan. Premièrement, au niveau de mon équipement, j'ai un nouveau plastron, enfin avec les BG, les Battlegrounds. J'ai eu un nouveau plastron, donc de niveau d'objet 405. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de sentir la différence, mais à mon avis, voilà, ça va être brutal. Cœur d'Azeroth à 40, niveau 43, je sais plus si on en avait, voilà, si on avait parlé à l'épisode précédent ou enfin dans les épisodes précédents. Donc voilà, donc le stuff ça continue à évoluer, hein, ça de toute façon, mais voilà, je commence à avoir vraiment du niveau 400. Je crois que j'ai ma ceinture aussi. Ma ceinture, voilà, ma ceinture elle est niveau 400 aussi. Qu'est-ce que j'avais aussi qui était niveau 400? J'ai un bijou niveau 400. Même ma capuche est niveau 400. Oui, et puis j'ai ma cape qui est niveau 415 aussi. Mais ça, je l'avais acheté. Je l'avais pas gagné, je l'avais acheté. Hop, voilà. En gros, voilà où j'en suis au niveau du stuff. Et puis, bon, bah, mon bâton du gladiateur sinistre, que j'ai transmogriffé en Utalèche, hein, la faute d'œil levant. C'est... Voilà. Voilà, voilà. Vous avez à peu près où j'en suis à ce niveau-là. Niveau pognon. Alors, faites pas attention au merdier que j'ai dans l'inventaire. Faut que je passe à l'HV. Je fais des donjons, en fait, en même temps. Donc voilà, et puis surtout voilà, j'ai 608 000 en PO. Donc voilà. Voilà un petit peu où j'en suis. Oui, aussi, tant que je suis. Je me suis un petit peu intéressé aussi aux mascottes. Donc oui, hein, j'ai toujours ma sœur de la tentation, mais je l'ai passé niveau 21. J'ai farmé un petit peu les mascottes, j'ai enfin compris comment ça marchait. C'est assez fun, mais c'est clairement Pokémon. Voilà. Donc bah voilà, je vais peut-être la monter niveau 25. Je crois que c'est niveau 25 maximum. Puis voilà, en fait, j'ai capturé 2-3 autres personnages. Enfin 2-3 autres. Voilà, mais voilà, j'ai pas grand chose en mascotte, honnêtement, j'ai pas farmé plus que ça. Donc voilà, on s'en fiche un petit peu. Et autre chose, oui. Ah. Je peux plus m'en servir. Ah non, elle a disparu. Ok, d'accord. Bon bah. Parce que hier il s'est passé quelque chose. Bon bah tant pis, hein, je vais laisser ça là. Je pouvais. Alors que la semaine des enfants était terminée, je pouvais encore utiliser le sifflet. Et l'orpheline elfe de sang, elle se comportait comme une mascotte. C'est-à-dire qu'elle me suivait et puis elle avait une phrase. Quand on lui parlait, elle avait changé de phrase. Et elle avait une phrase encore une fois super mignonne. La phrase c'était un truc du genre je pense que Illidan n'est pas si méchant que ça, ce qu'il lui faut. Enfin, ce qui lui manque, c'est une gentille maman. Enfin, voilà. C'est une phrase du genre. C'est une phrase très, 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 très enfantine, hein, mais très mignonne. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Bon, malheureusement, voilà. Je pourrais pas vous la remontrer parce que, ben, mon sifflet a disparu avec la fin de la semaine des enfants. Mais il y avait 24 heures en plus où on pouvait l'invoquer et elle se comportait comme une mascotte auprès de nous. Bon, ben c'est tout. Malheureusement, ben on la reverra pas avant l'année prochaine. Malheureusement, parce que la semaine des enfants, c'est une fois par an, visiblement. Du moins, j'ai pas vu de. Voilà, j'ai pas vu dans le planning une autre semaine des enfants. Voilà. Mais j'ai trouvé ça super touchant et c'était super cool. Franchement, c'était super cool à faire. Je regarde rapidement, hein, mais voilà. Après, voilà, hein, donc il y a tous ces événements-là qui apparaissent régulièrement. Non, et puis je peux pas aller au-delà de mai 2021, qui pour vous doit être passé d'ailleurs, mais pour moi, bah non. Parce qu'au moment où je tourne, je suis toujours en mai 2020, moi. Salut, donc je vous dis salut du passé.
Le confinement touche à sa fin. Voilà. C'est... Bon. J'espère que vous êtes là pour faire affaire. Je sais pas hein, ce qui... Vous, au moment où vous regardez cette vidéo, ce que cette histoire de confinement est devenue. Je ne sais absolument pas. Bon, donc on avait une histoire de mecha. Ah oui, et puis il y avait donc un petit dialogue qui, quand je suis arrivé. Mais voilà, pas grand chose d'intéressant. On va voir un petit peu ce qui nous attend. On a fini. J'ai un massage des lobes qui m'attend. Très bien. Admirez un peu ma dernière création que quelqu'un m'a conçue. Attendez. Admirez un peu ma dernière création que quelqu'un m'a conçue et construite pour moi. Le mécanisme intérieur de Galiwix amélioré. Ce petit bijou est alimenté par toute l'azérite que vous avez trouvée. Mais il m'en faut encore pour lui donner le petit coup de fouet qui fera la différence. J'étais censé avoir les ressources nécessaires ici, mais il y a des espèces de monstres azéritovores qui empêchent l'approvisionnement. Mon fidèle Rustine m'a bricolé un aspirateur à azérite. Je veux que vous l'utilisiez pour leur faire dégorger toute l'azérite, récupérer de l'azérite sur les gelées d'azérite à l'aide de l'aspirateur. Ok, d'accord. Et on récupère de l'azérite. Ok. C'est pas tout ça, mais faut que je filoche, moi. Peut-être que je vais J'ai toujours trois coups d'avance sur la concurrence. Yo, salut, quoi de neuf? Ok, le béaba de la fraude à l'assurance. Ok, d'accord. Je m'éloigne du mec. Donc du mecha à mon avis, hein, M-E-C-H-O, c'est tout ça. À peine 2 secondes pour aider le vieux Galiwix et me voilà jusqu'au... Et me voilà jusqu'au cou dans un problème de gelée d'azérite. Alors écoutez, voilà mon marché. Je veux que vous alliez arracher quelques-uns de ces gobelins aux griffes de ces monstres. Pour être honnête, j'ai légèrement détourné l'argent de l'assurance qui les couvrait en cas de blessure infligée par des monstres à base d'azérite. Bah quoi, comment aurais-je pu savoir que ces gelées sortiraient de nulle part pour les attaquer? Vous me rendrez un énorme service en sauvant ces gobelins. Secourez 6 ouvriers, ok, et... Des vaches varda juridiques dont vous suspectez qu'elles couvrent rien du tout. Ok. Et puis on reçoit... Bon bah en fait en vrai on reçoit 25 pièces d'or quoi. Ok. Ok ok ok. Et ben écoutez, ben voilà, hein, c'est une petite quête. Ah, alors. La question c'est... Ok, d'accord. Donc, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc, il faut utiliser ce truc-là. Je vais le mettre en œuf pour le moment. Même pas. Vous savez quoi? Hop, on va utiliser une petite... l'autre barre d'action. Et je vais le mettre sur 4. Allez. Bah, écoutez... ah, est-ce que je peux faire ça? Attendez. On va tenter un truc un petit peu foufou. Alors, c'est des niveaux 120, alors je pourrais pas faire ça énormément, mais j'en attire un maximum. Ouais, c'est déjà fini. Mais ça va vite. L'avantage, c'est que ça va vite. Mon bouclier n'a pas eu le temps de se régénérer. Voilà. Hop.
Je porte avec eux, c'est bon. C'est bon. Ok, ensuite, il y a les gobelins. Oh purée, d'accord, ok. Est-ce qu'il y en a encore? Il y en a là-bas. Ah, cette musique. Ah oui, attendez, moi. Parce que... Attendez, le son doit vous, par contre... Voilà. La musique a dû vous casser les oreilles. Je suis désolé, j'avais augmenté un petit peu le son. J'ai enregistré en fait quelque chose avec XSplit et j'avais augmenté le son à fond. Il est possible que... Je sais casser les oreilles. En tout cas, c'est efficace ce truc. Aspirateur Azerit. Je suis à combien là? 5 ouvriers sur 6. Il m'en reste 1. Là-bas, non? Il y en a un là-bas. Voilà, voilà. Ok, ok. C'est quoi le plan? Mieux vaut trop que pas assez. Mais allez, faites vite. Merci d'avoir fait bref. Alors, très bien, M. Normand. On va pouvoir y aller, le mecha a assez d'Azerite pour semer une pagaille mémorable. Partons pour ma... pour notre base en Druvstar. En Drustvar. Mécanivelle, ce roi feignant des gnomes attaque nos réserves d'Azerit. Quand on se sera occupé de la base, on s'occupera de mécaniveau. Vous me suivez. Prenez le mecha jusqu'à Distrovar et défendez l'avant-poste de Kramfall. Ok. On a encore de l'Azerite. Et moi j'aime bien ces missions parce que ça me rapporte de l'Azerite. C'est pas tout, mais j'ai un jeu de cartes qui m'attend, moi. Toc toc toc, attendez. Prendre le mecha. Ok. Donc on va se téléporter à Drifta. Avant, je voulais juste vous montrer une chose. Enfin, vous parlez d'une chose. Tous les donjons de World of Warcraft Vanilla qu'il y avait à Kalimdor et au Royaume de l'Est, je les ai fait intégralement. Bon, voilà, c'est du bas niveau, hein, ça dépasse pas le niveau 60. Mais bon, toutes les... je sais pas si, par exemple, hop, si je... Hop, voilà, toutes les... Par exemple, voilà, le... Kral de Tranchebosch, ce donjon-là, par exemple, je les ai fait. J'ai fait tous les donjons Vanilla et je suis en train de m'attaquer au donjon de Bonnet Crusade. Alors, j'ai enregistré le Temple Noir, vous l'avez peut-être eu en quelque part en bonus vidéo. Il faut vraiment que je monte cet épisode. Et puis, ce sort série. Et comment? Et donc, je suis en train de m'attaquer au donjon de Bonnet Crusade. Ce que je ferme, c'est essentiellement les réputations pour le fun voilà, et puis ben il y a du stuff évidemment, ben le stuff que j'ai là, ben ça vient en fait de donjon Bonnet Crusade,
Et puis, bon, moi, je le revends et mine de rien, ça rapporte un petit peu. Voilà. Bon, attendez une minute, que je trouve quel bouton fait décoller cet engin. Ah, voilà. Et maintenant, accrochez-vous bien. Ça risque de méchamment décoiffer. Cette machine carbure... attendez, je crois qu'on va trop vite. Comment? D'accord, ok. Wow, par contre, on a 4 millions, quoi. Voler. En tout cas, ils ne s'attendent pas à nous voir semer la pagaille à bord d'un méga. Et si ça tourne mal, cet engin bénéficie d'une assurance avec dépannage 0 km inclus. Garantie sur facture. Ok, mais je peux pas... Ah, ok. Ah, oui. C'est bon. Ouais, j'avoue que c'est violent, hein. J'ai pas essayé le... Ouais, on a vu le bouton 3. Je suis trop loin. Ah, je peux voler. Ah ouais, rien que ça. Ok, d'accord. Ok, alors par contre, le comportement est méga bizarre. Non, sérieusement, le comportement, par contre, il est méga chelou. Ah, attendez. Hop. Ouais, puis je vais pas rester là parce que je dois être sur une zone de respawn. Hop, il y a une portée de ouf en plus ce truc.
Ouais, je crois que je suis mort. C'est quoi le truc gros bouchon? Ah d'accord, ok. C'est un peu mieux que les gobelins peuvent produire assez. D'accord, ok. Oh, c'est dégueulasse. Putain, c'est totalement Iron Man, quoi. Ah, d'accord, puis je suis sorti. Ah, okay. Je peux pas le reprendre, mais c'était cool. Soyez sur vos gardes.